Eh bien, cela vous les Wonder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous êtes plusieurs à m'avoir proposé un défi durant le calendrier de l'Avent de vous montrer quelque chose d'encore plus magique que la magie Disney avec Noël. La magie Disney avec Noël et de la neige. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va passer une petite journée sous la neige à Disneyland Paris. On va vous montrer des petits recoins sympas qui ont pris de la neige. C'est trop beau, c'est trop beau. Je me suis levé tôt spécialement pour vous montrer ça, parce que vraiment j'adore la neige à Disney, c'est magnifique. Donc let's go. Wonderhook enchante Disneyland Paris avec Net Radio. Oh, oh, oh. Bon, c'est bête, hein. Ça a déjà beaucoup fondu sur le parc. En même temps, elle tient pas énormément sur le parc. Alors que pourtant, chez moi, ça tenait beaucoup. J'habite à 5 minutes et ça tenait énormément. Mais là, regardez, sur Main Street par exemple, ça tient pas énormément. Mais on va aller dans les endroits qui n'ont pas été encore faits énormément par les visiteurs. Parce que là, c'est encore les Extra Magic Hour. On est venu très tôt ce matin exprès. Je me mets ma capuche parce qu'il neige encore en fait. Hein. Donc, on va aller voir ça directement au niveau de Adventureland, Discoveryland. À mon avis, on a peut-être moyen de trouver des petits endroits sympathiques. Bon, sur Main Street, ça n'a pas énormément tenu, c'est pas grave. On va aller au niveau de Frontierland directement, voir dans un premier temps Frontierland avec le Big Thunder Mountain. Quand il neige, c'est magnifique. Et voilà, ça fait plaisir un peu de neige en vrai. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça avec le parc qui était fermé, etc. C'est vrai qu'il y a des périodes d'hiver qu'on n'a pas pu découvrir le parc avec de la neige. Et là, c'est trop beau, il y a des petits recoins là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique, là, au niveau de Frontierland, c'est magnifique avec là le BTM juste derrière moi. Vous allez voir qu'il est enneigé, c'est trop beau. Il y a des plans, ça, c'est la nature qui parle, c'est trop beau, c'est magnifique, j'adore. Ouais, c'est incroyable, je vais vous filmer ça, le Big Thunder Mountain, vous allez voir, incroyable. Je me suis quand même levé spécialement pour ça, pour pouvoir vous filmer justement cette ambiance de Noël avec de la neige. C'est magnifique, tu vis pas ça énormément de fois à Disneyland Paris. Et je me suis dit que si j'arrivais un peu plus tard, c'est fini. Ça aurait encore plus fondu, donc c'est pour ça qu'il faut arriver très vite quand il neige comme ça à Disneyland Paris. Surtout que là la neige est très fine finalement, c'est pas une neige très épaisse. Donc ouais, le Phantom Manor là il va être magnifique, en plus il est encore fermé. Trop beau, je vais vous filmer ça, vous allez voir, trop beau. Je me demandais pourquoi les allées du parc étaient aussi dégagées. Alors déjà oui, il y a déjà eu des passages, donc forcément ça retire un peu de la neige. Mais surtout qu'en fait il y a des Gastmembers avec des espèces de balayettes qui raclent un peu justement les allées pour éviter forcément que bah, des gens tombent. Et oui, effectivement, c'est vrai que Disney se protège de tout. Donc ils ont bien raison. Bon allez, on va aller du côté de Adventureland maintenant, voir si avec le bateau il y a moyen de faire des trucs assez jolis également. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des petits plans très sympathiques. Et ensuite, on va aller du côté de Fantasyland et Discoveryland. C'est beau quand même. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Je regrette quand même pas de m'être levé tôt pour pouvoir vous filmer ce genre de scène. Franchement, ça fait plaisir. Bon, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus épaisse, la neige. Mais c'est quand même magique. Là, c'est trop beau. Le Big Thunder Mountain qui vient l'instant d'ouvrir. J'aurais bien été faire un tour, mais je vous avoue qu'il fait tellement froid que j'ai peur pour mes oreilles. Donc je me dis, bon... pas grave, je vais essayer de voir peut-être pourquoi pas faire des attractions intérieures, mais j'avoue les attractions extérieures avec ce froid, cette neige, non, c'est peut-être pas forcément ce que je recommande de faire maintenant. Allez, bienvenue à Adventureland, on va voir ce que ça donne là-bas. Et là, Adventureland, et bah il n'y a pas eu énormément de passages, mais on voit clairement que ouais, la route est dégagée pour vraiment éviter tout problème. Bah allez, on va aller voir ça. Pour ceux qui m'ont demandé dans le calendrier de l'Avent une dose de magie, je pense que vous êtes comblés là.
Enfin, j'espère. Bon, peut-être pas qu'on voyait ma tête comme ça, en gros plan, avec ma capuche, ma dégaine qui est folle. Mais quand vous voyez ce genre de choses. Nous voilà du côté de Fantasyland. Et pour le coup, Fantasyland, bah, y a beaucoup plus de passages, hein, puisque les attractions à Fantasyland elles sont ouvertes pendant les Extra Magic Hour. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup plus de passages. Mais on va quand même voir s'il y a des petits plans sympas à faire avec la neige. Comme un gosse, hein, je jure, hein, je suis comme un enfant, moi, avec cette neige. Je suis super content. Cet endroit est si beau et si magique, c'est fou. Et aujourd'hui, je pense que je peux commencer à vous dire que mon projet que je vous parle depuis quelques temps, c'est un prochain voyage. Normalement, c'est un prochain parc Disney. J'aime pas me mettre des plans sur la comète parce que j'ai trop peur des aléas de la vie, vous savez, des fois. Puis en plus, avec le Covid, on sait jamais si finalement ça ferme ou autre. Mais normalement, d'ici quelques temps, vous allez me voir dans un nouveau parc Disney que je n'ai jamais fait. Et j'ai tellement hâte de vous emmener, j'ai tellement hâte de vous filmer tout ça et j'ai hâte. J'ai juste hâte, ça va me changer un peu les idées d'Odyssée en Paris et ça va être la folie. J'aurais adoré faire Orbitron mais malheureusement c'est fermé donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit Buzz Lightyear, il n'y a que 5 minutes. Let's go, je vous emmène avec moi. J'étais pas si mal que ça, j'ai fait 9999 sur le premier et 100 000 sur le deuxième. Et sans que le truc s'arrête une fois, donc franchement j'ai été très très bon. Ça fait plaisir. Bon, on va aller du côté de Phantom Manor, je vais aller faire un petit tour de Phantom Manor. Après je vais aller me prendre un petit déjeuner et je pense qu'on va se rentrer parce qu'il fait très très froid. Et voilà, et que bon bah Disney dans le froid, j'avoue que moi c'est pas non plus... Hier, j'ai fait la soirée avec Raphaël. On est rentré assez tard, donc c'était très sportif d'enchaîner avec ce matin, etc. Mais bon, voilà. Allez, on enchaîne. On va directement vers Phantom Manor. On va le faire. Et puis, on va aller prendre un petit déj. Et puis, on rentre à la maison. Là, c'est très joli, là aussi, là. Comme ça, avec la neige. Les petites sculptures, là. C'est vrai que j'y avais pas pensé tout à l'heure. Mais c'est plutôt joli. Même là, là. Ah oui, avec la petite... fontaine de Plaza Garden. Le monde arrive sur le parc et donc ça commence à fondre de plus en plus. Autour de moi, il y en a de moins en moins de la neige. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. C'était ça. C'était le petit moment qu'on avait entre vous et moi. C'est un petit moment un petit peu privilégié, va-t-on dire. Ce petit moment. J'espère que ça va reneiger dans l'année. Et que la neige sera peut-être un peu plus épaisse. Puisque vous allez voir que quand il y a une neige encore plus épaisse, c'est encore plus impressionnant sur certains endroits. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Enfin bon, là vu qu'on était arrivé dans les premiers, ce qui était bien c'est qu'on a pu vraiment avoir des petits plans avec pas grand monde. Donc ça c'est super. Allez, direction Phantom Manor. Pour aller se faire un petit tour de Phantom Manor et déjà se réchauffer un petit peu aussi. Et après on va aller se prendre un petit déjeuner avec un petit café. Parce que bon bah mine de rien j'ai enchaîné dès que je me suis levé. J'ai même pas eu le temps de prendre un petit café, rien quoi que ce soit. Donc let's go, on y va. Et puis on se retire juste après. Et ouais, vu que l'attraction vient d'ouvrir, il y a de la neige partout ici, c'est vrai. C'est trop beau. Une trop bonne idée de venir faire cette attraction. Waouh, c'est trop beau. Phantom Manor là sous la neige, c'est un charme de fou. C'est magnifique. Et voilà, on sort de Phantom Manor. J'ai pas pu filmer beaucoup parce qu'il fait très très sombre dans l'attraction. Pour filmer avec ma caméra, c'est pas évident. Va falloir que j'achète un matériel pour filmer dans les attractions quand il fait assez sombre comme ça. De toute façon, il me faut un nouvel iPhone simplement. C'est ça qui va me permettre de filmer à l'intérieur. Bon bah voilà, ça y est, c'est une fin de journée pour moi. On a bien profité pendant 2h30 dans le parc là.
à faire le tour des moindres recoins avec la neige. Je vais voir si je passe prendre un petit café sur Main Street. Mais sinon, mis à part ça, je vais rentrer à la maison parce que j'ai des colis à récupérer. Et donc, du coup, il faut que je sois chez moi pour m'occuper de tout ça. Allez, let's go, on y va. Et ben voilà, c'est une bonne fin de matinée. On rentre à la maison. Il fait super froid. Alors, c'est une vidéo qui va être plutôt courte, je pense. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi courte, j'imagine. Mais bon, au moins, voilà, ça vous permet d'avoir des images de cette journée avec de la neige à Disneyland Paris. Je pense pas qu'on soit très nombreux à avoir filmé cet instant sur YouTube, donc au moins vous allez pouvoir en avoir une trace, et ça me fait plaisir. Rien que pour ça, je suis content de m'être levé et de vous avoir filmé ces petits plans. En tout cas les amis, je vous fais des bisous, à très vite pour une prochaine vidéo, évidemment demain, vous le savez maintenant, à très vite. On se dit comme d'habitude que tout le monde évidemment a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao. Allez, je vais rentrer me réchauffer moi.